Eh bien salut à tous bande de gamers et bienvenue sur la suite de Final Fantasy 9. C'est parti les amis, on va aller prendre le bateau et on va partir en direction de Libloom. Let's go les poteaux. Alors, le coffre du coup on pourra toujours pas l'avoir. Eh bien vous savez quoi, on va lui parler à la dame hein, parce que bon... excusez-moi madame, mais nous on aimerait bien prendre un coffre. Hein. Ouais bon, vous savez quoi, on va partir en direction du bateau. War to the hardships. Hardship, pardon. Cet énorme fait rire quand on le voit de dos, on dirait qu'il a un string. Hein. Allez, princesse. Let's go. Et si Yamaku. The dolls there want walking underground. Yes. Maybe light with dolls Maku. Oh, vite! Il va départir. Dépêchons-nous! Bienvenue à bord du Airship. Airship. Partons, c'est ça, hein? Partons en direction de. Les blooms. Allez, mademoiselle. Et... Ils ont pas peur à rester au bord de, du vide. Vous imaginez s'il y en a un qui glisse. Allez. Les amis, veuillez vous prendre votre place. Merci de m'avoir fermé la porte au nez. Qu'est-ce qui se passe, Maku, Dijonte? Non, c'est des robots, ils parleront pas. C'est un coffre qu'il y a devant nous, là. Allez, vite, on va aller parler à Maku. Pauvre petit Maku. Non, ils parlent pas, Maku, ils pourront pas te répondre. C'est des robots, ils ont pas de cerveau, ils ont rien. Animaux, ils ont rien. Ils sont programmés pour faire voler le bateau, c'est tout. Ben, ce que je disais, c'était un coffre. Ah non, c'est pas un coffre. Bon. Allez, on monte à l'étage. Et nous voilà à la hauteur. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est malade dans ce bateau. Mais non. Stener a le mal de l'air. Ah non. Tout compte fait, il gueule, donc c'est qui va bien. Non, on n'ira pas au château, il est chiant. Franchement, il est chiant, il est lourd. T'es viré, mon pote, t'as compris? Allez, balance, saute du. Saute là, ici, là. Tu vois là, tu vas ici, là, tu sautes. Bon. On va aller voir le capitaine. Qu'est-ce qu'il va nous préparer, lui? Qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer, lui? We died white because the crew. What?
C'est un numéro 3, les amis. On va arrêter de tourner comme ça, on fait du 180 degrés là. Ah là, mon cul, ma tête est malade. Et hop, esquive. Double esquive. Quel dommage. Retente ta chance, appuie sur start. Oula. Avec ce qui s'approche, je m'inquiéterai un peu plus. Il trouble les robots. Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il? Allez, c'est quoi cette fois-ci, numéro 2? Ah, c'est pas le même. Side numéro 2, and defeated by Slunch Eyes. High power. Allez, bim, le numéro 3. On dit qu'il y en a combien comme ça, 100? Ah. Les robots qui décident de protéger le petit Maku. Peut-être, non. Ils vont se rendre face à eux. Est-ce que nos héros vont devoir affronter tout ce groupe? Ah ben non, 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 non. Espèce d'enfoiré, ce boss, il a tué tout le monde, les pauvres. Allez, on y va, baston final. Il a raison, Maku, il y en a marre. Bon, process, c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras là. T'as voulu partir à l'aventure, ça fait partie de l'aventure. Let's go, les amis. Allez, partons aider les autres. Maku va se transformer en Super Science. Je crois que c'est lui qu'il faut voler, il me semble. Lui, on va le voler vite fait, dès le début du combat. Là. Il me semble qu'on a un truc de chapeau pointu ou un truc comme ça. Ce qui donne à Maku d'ailleurs une bonne défense. Ah, la princesse Zelda nous a abandonné sur le coup. Ok, c'est parti. Maku qui s'en sort en tronche dès le début, c'est ce que je disais. Super Science Maku. Putain, là il a un château, il a un chapeau bien, bien pointu. Ok, donc c'est à mon tour, donc on va le voler comme j'avais dit. Toi tu vas nous faire une Thunderbolt. Je crois que ça s'avère à rien puisque il utilise notamment la glace. L'électricité, ouais, c'est bien ce que je disais. Je pense qu'on va l'attaquer avec la glace. Et du coup j'ai pas eu le temps de voir ce qu'on a volé, mince, on va retenter un coup. Oh, que 104 de dégâts, merde, j'ai fait deux fois ça en plus. Si j'ai fait une épée de feu, est-ce qu'il va le sentir passer? Oh. Il utilise essentiellement l'électricité, donc je pense que l'électricité c'est son attaque quoi. J'ai peur que si je fais une attaque comme c'est une double magie, j'ai peur de le soigner en un coup quoi. On va tenter l'électricité en double. Ah, 260 le feu, 260 c'est meilleur déjà. Et j'ai encore volé, mais j'ai rien pu voir ce que c'était. Donc j'en vais arrêter de... C'est une dernière fois que je vole et après on va passer à l'attaque. Parce que du coup, je vole, mais je sais pas du tout ce que je vole à chaque fois. Swag magie, fire. Ok, vas-y, vole. Qu'on puisse voir ce qu'on vole une dernière fois, s'il te plaît. Bon, la transe de Maku s'arrête. Il aura fait pas mal de dégâts, mine de rien. Pas grand chose, mais... Il aura pas fait... Ok, donc... Encore une fois, j'ai volé, mais j'ai pas... Ah ben, le combat est terminé. Le combat est terminé, non? Ouais, le combat est terminé. Qu'est-ce qui se passe? Ah,
Ah, il a résisté quand même au combat, il s'est fui directement le combat celui-là. Ok, Yoa Gunwai, Sungate. On va aller sur la porte, on va s'écraser peut-être sur la porte, c'est ça qu'il a dit, non? Sur la porte du sud, je crois qu'il a dit. Porte du sud. Tu vois, porte du sud, il y a un truc avec la porte du sud, on va passer la porte du sud. Allez, dépêchons-nous vite. Ah, tic et tac. Ils ont vraiment une tête de mort, hein, les deux. Alors, ces yeux blancs tout dégueulasses. C'est des zombies en fait. C'est des zombies clowns ou des zombies bouffons. Ouais. Tic et tac. Attends. T'as un sorcier qui vole, mais il te faut un truc pour piloter. Non, mais alors là, c'est une grande blague là. Quel enfoiré ce sorcier, hein? Jusqu'au bout, hein? Mais bon, petit Maku était là, il a dégagé en une seule attaque de feu. Ok, donc nous partons en direction, donc on a passé la porte du sud. Il y a des navires partout. Est-ce qu'on peut tourner et voir un petit peu où est-ce qu'on va? Non, on peut pas tourner. Et bien nous voilà arrivés à Libloom. Excusez-moi pour la gorge. Ok. Tu es un idiot. Le cargo a été complètement détruit, hein, l'équipage avec, puisqu'il n'en reste plus que nous. Il faut parler au roi, c'est ça, je crois, les blooms. Il me semble qu'il y a un roi, les blooms. Let's go. Allez les amis, look the Falcon Gate.
Regardez la porte du Falcon. C'est une belle, c'est une bonne et belle cité. Nous voici. Je reconnais bien la musique. Lindblom, grand castle, grand château de Lindblom. Wow, this castle is huge. It's even bigger than Alexandria Castle. Presque aussi grand, ou aussi grand que peut-être. Ok, Zidane. Ah, guarding it, that really old airship. Granting, I am Princess Garnet, till Alexandros. You must be kidding, no member of the royal family, let alone a princess, would ever ride in such shabby airship. And look at the company you are keeping. You, Princess Princess Ying, the Princess Forsyth et Maher. Ouais, là je comprends pas trop les circonstances. The King of Roof, Royal Heritage. Héritage Royal, je sais pas, bon. Dans tous les cas, on veut voir le roi, on va parler avec le roi. Hein. Allez, let's go. Quoi? Allez, qu'est-ce qu'il va en dire encore? Ah, le ministère. Le ministre Artania. Yes, sir. Allez, c'est parti. Oncle. Veuillez me suivre. Ah, je crois que c'est le roi qui s'appelle Cid, en plus, justement. C'est le Cid de ce version-là de FF9. Il me semble que c'est le roi Cid. Peut-être que j'ai des conneries, comme d'habitude. Donc, on va aller parler. Direction l'ascenseur. Ok. Est-ce que j'ai raison? Si, alors, Princesse Garnet of Alexandria, Princesse de Garnet de Alexandria, wish to see you. Et là pour vous, sûrement, tout comme ça. Princesse is making wrong. Ah ouais, je crois que le roi il a eu une malédiction, il s'est transformé je crois. Voilà, c'est devenu un nain. Floating. Pauvre petit roi. T'as mis une patate au roi mon gars. Toujours ce nerf, foutre le bordel, hein. Région Cid, c'est ça, roi Cid. J'avais raison, mais il a eu une malédiction, là, transformé en... un truc comme ça, quoi. Ça dit non, impossible, donc il peut pas retrouver une forme normale. Of course, I bend to Bex, Gork. But I am still the royal of Lebo. Uncle Cid. Uncle, je crois qu'on dit ça comme ça, Uncle Cid. Zaid what figure it. Thank you.
Ok. Donc je crois que chacun d'entre nous part encore une fois à la dérive. Chacun d'entre nous va voir un petit peu le tour de la ville. C'est parti pour... Ah, un personnage que je reconnais bien là. Un futur allié dans notre équipe. Normalement, attendez. Yann, ouais. Hey. You are doing a drink. How you about you on me for quiz on airship? Really on airship? Bon, là, je comprends pas trop ce qu'ils disent. Woman and the counter, voilà, une autre contrée. Hey, Zidane, take outside. Long, ça faisait longtemps, Zidane. Hey, what's up? Wait une minute. You forgot my name? No, in remember. You are Elga, right? Wrong. Christine, point qui, mais le mec, mon gars, il a toute une collection d'ex. You honestly little. Your name. Donc là, voilà. Fria, voilà. Je vous présente donc l'une de nos futurs alliés. Incessamment sous peu même. Très très forte. Très 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 forte. Putain, le pauvre. Il voyait une vitesse. Il avait soif, hein. Ok. Un petit dosotage. Je pense que je vais faire le tour de la ville hors vidéo, parce que ça va me permettre de récupérer de l'équipement. Parce qu'il me semble que dans cette ville, il y a pas mal de choses à récupérer. Au niveau des magasins, je parle, parce qu'après des coffres, tout ça, on fera ça ensemble pendant la vidéo, pour quand on se déplacera. Parce qu'il me semble qu'à un moment donné, on va faire une espèce de petit concours, il me semble. Ce sera sûrement dans la prochaine vidéo. Là, je crois qu'il lui raconte toute l'histoire, ouais, de ce qui s'est passé, je pense, un truc comme ça. Voilà, l'histoire devait être un peu longue. Peut-être que elle lui raconte l'histoire de tout ce qui s'est passé. Sous You Merch. Donc, ils partent sur les deux en direction de là. Please here you are on soul of Librum, you are Chuck Doc, tis in doing where? Predicting research, but where you are. Lonely, it's it. Ah ouais, je crois qu'il parle de son airship à lui qui est monstrueux. Je crois que c'est le airship numéro 3, un truc comme ça, il me semble, ou un numéro 5. Il porte un numéro derrière. Le garde 2, non, pardon, voilà. Ce sera un des futurs navires qu'on aura à un moment donné, je crois, dans l'histoire. Et voilà, nous voilà réveillés. Ah, est-ce que Petit Macou nous accompagne ou est-ce que... Bon, joyeux matin, good morning, ouais. Je sais pas s'il m'accompagne. Ouais, il faut qu'il aille au théâtre district. Mais nous, ben moi je veux dire, moi hors vidéo, j'irai faire le tour de la ville histoire de. Ah. Ah oui, quelle leçon il va nous faire là. Statue Effect. Oh, mon ami, ça fait un petit moment qu'on a vu les Statue Effect quand même. C'est vrai qu'il faut appuyer à chaque fois, sinon si on fait retour, ça compte comme si on l'avait pas vu. Elemental Properties. Ouais, les 8 éléments du jeu, ouais, ça on sait. Les jeux de cartes, parce qu'on va pouvoir jouer aux jeux de cartes. Bon, moi je suis pas fan de ça, donc vous verrez pas ça dans ma vidéo. Synthesis Shop. Oui, donc ça c'est justement ce que je compte faire dans la vidéo aussi, enfin, hors vidéo je veux dire. Les créer mon arme. C'est la fabrication des armes en fait.
Voilà, on va aller voir s'il y a un petit point de sauvegarde dans les environs. Ben voilà, parfait. On fait harmonier. From the Ruby to the dance, oui, donc ça, on a reçu un email. Est-ce qu'il y a besoin de répondre à l'email? Non, ok. On va sauvegarder. Voilà. Eh bien, les amis, on verra donc la ville de Limblom dans la prochaine vidéo. Eh bien, écoutez, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite de nos prochains épisodes. Ciao, ciao les amis, et à la prochaine fois.